Bonjour à vous. Alors, je suis très heureuse d'amorcer cette chaîne avec des petites présentations de tirages, de lectures symboliques que je vais faire pour cette première fois-ci sous forme effectivement de cartoscope. Je dirais pas taroscope parce qu'il ne s'agit pas que de tarot mais d'oracle. Donc, cartoscope, ça va être l'expression pour le moment que je vais utiliser. De vous faire une petite présentation des énergies présentes à vous, signe par signe, pour l'instant présent. C'est-à-dire que c'est extrêmement précis. Ça va être qu'au moment où vous avez accès à cette vidéo, comme sur un plan, je dirais, immatériel, invisible, le temps n'existe pas, et bien c'est au moment où cette vidéo vous arrive que ce sera le plus opportun. Donc, vous voyez, je vais décider arbitrairement d'être le plus large possible. C'est un choix pour commencer cette chaîne. J'ai envie d'être un petit peu originale et de vous proposer ce tirage qui va correspondre pour chacun des mois, des horoscopes, hein, des signes astrologiques. Une énergie, donc je vais utiliser pour ça trois jeux différents. Je vais utiliser l'oracle des chats, très synthétique, très simple à comprendre en termes d'inspiration. C'est pas forcément plus le visuel qui parle que l'énergie de la carte. Je vais utiliser un tarot de type Rider-Waite-Smith, qui est l'Elemental Wisdom, que je viens d'acquérir, que je trouve très très beau et qui, au niveau des images, est très évocateur. Donc là, pour le coup, ça va être intéressant. Et puis, nous avons aussi un oracle très particulier, qui est celui de Marie-Christine Chambon, qui s'appelle Umrazai. Pour certains, vous le connaissez déjà puisqu'il n'est pas tout nouveau. Et il ne concerne que les arcanes majeures du tarot. Évidemment, elles sont déclinées sur différentes thématiques. Et vous allez découvrir que l'auteur a décidé de donner certaines énergies à certaines des arcanes majeures du tarot. Et certains visuels, certaines images qui sont aussi très parlantes, très intéressantes à regarder. Donc voilà pour la présentation, voilà comment je vais procéder. Les cartes sont déjà prêtes, mais pour chaque signe, je vais faire un balayage, un brassage pour pouvoir aller chercher la carte la plus inspirante pour chacun d'entre vous. Donc c'était l'introduction, je vous invite maintenant à prendre le temps de regarder ce qui nous intéresse signe par signe.